Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment débrider le protocole TCP. C'est-à-dire, on va faire en sorte d'améliorer la connexion Internet. Pour ce faire, nous allons voir vérifier le protocole TCP si il est activé ou non. Par défaut, sur Windows 7, le protocole CTCP n'est pas activé. Il est sans nom. Alors, pour ce faire, vous allez cliquez sur démarrer, vous tapez CMD, ensuite faire un clic droit et vous l'exécutez en tant que administrateur. Voilà, vous avez d'autres possibilités, vous cliquez sur tous les programmes, ensuite sur accessoires et là faites clic droit et vous l'exécutez en tant que administrateur. Donc là, ici, on va taper la commande qui nous permet de savoir si le protocole CTCP est bien activé ou non. Par défaut, il est sur None. Donc, la commande qu'il faut taper, vous tapez netsh-int-tcp show global. Et là, vous allez voir que le protocole, le fournisseur de cette URL surcharge comp, il est sur None. Donc là, nous, on devrait l'avoir, en fait, il est sur CTCP, ici. Donc, pour l'activer, donc vous avez la commande inverse, en fait, la commande qui permet de... C'est toujours netsh. On peut avoir l'aide de netsh. Voilà, c'est plutôt netsh slash. Là, on a... En fait, pour le bridge, delete, DHCP client et ainsi de suite. Donc, pour nous, en fait, pour activer le protocole CTCP, pour gagner au niveau de la rapidité de connexion Internet, au niveau du téléchargement, etc., vous allez taper la commande netsh int TCP set global congestion provider. Fournisseur, et là je lui mets la Global Congestion Provider, je vais le mettre sur CTCP. Voilà, et je vais aller par entrée. Donc, si vous avez la réponse OK, ça veut dire la commande a bien été exécutée avec succès. Maintenant, nous allons vérifier si ça a bien été pris en charge. Donc, on va revenir à la commande précédente, c'est-à-dire netsh int TCP show global. Et là, vous allez voir, dans cette ligne-là, fournisseur de CTRL de contrôle de surcharge COP, il est bien sur CTCP. Vous fermez votre session, vous revenez dans l'ancien Internet, faites un test au niveau de téléchargement, de connexion, vous allez voir, vous gagnez au minimum 10% au niveau de la rapidité de votre connexion Internet. Voilà. À très bientôt sur notreprof.fr. Au revoir.